Tiens, c'est moi le capitaine, tu me prends, t'inquiète, j'aurais Ouais. pu. Sinon, bah, Ouais, tu ça prends le dé. capitaine, soit tu prends le capitaine, soit tu prends le meilleur joueur. Ça dépend qui c'est qui veut venir. J'arriverai, je dirais. On n'a pas fait de la merde, on a bien joué. Parce que là, l'interview, non, j'essaie pas de laisser, c'est trop long. C'est trop long, ça dure Mais au non, moins. mais. Surtout la fin du live, ça dure 20 minutes, c'est pas possible. Et Kev, non, mais au pire, genre, t'écoutes genre chaque interview de chaque joueur, et puis après, bah, tu gardes la meilleure interview. Comme Non, ça, je les moi, ai mais ça fait une enlevés. bonne synthèse de la fin de match. Ouais, mais je les ai enlevés tout court. Comme Ah, tu bah veux. bien. Tu peux les rajouter, t'as pas de limite. Après, ça, de toute façon, Bertrand Lenne et Sergio Kerr, sans faire un spray, ils font la synthèse, hein, enfin, sans passer par l'interview. Quand tu écoutes la fin, ils font la synthèse eux-mêmes, sans interroger les joueurs. C'est bien. Donc, Oh, c'est un bon match. moi, j'ai juste gardé cette partie-là où ils font la synthèse, eux deux. Contre, Voilà. ça serait bien que dans le chat du live, tu mets un truc genre un bait ou. Par contre, il y a un truc qui serait pas mal dans l'avenir, c'est que je me suis aperçu de ça. Ce serait pas mal que les casters, ils apparaissent en votre cam, tous les deux. Bon, il faut expliquer comment on va faire. Oh, tu veux dire, pardon, tu veux dire la vidéo? Live. Non, pas dans la vidéo, même dans le live, c'est possible, c'est faisable. Oui, faisable. C'est légèrement faisable, ouais. Ça aurait été pas mal parce que en fait. Ah, mais il faut qu'il y en a un qui renvoie son flux sur le lot et que l'autre il Ouais, synchronise mais sur la t'inquiète vidéo. pas, Bertrand Lenne, il a la fibre optique, donc de ce côté-là, il pourrait le faire. Et après, le problème, c'est qu'il faudrait pas qu'il y ait un fond vert. Si Sergio Kerr a un fond vert que Bertrand Lenne n'en a pas, ce serait pas logique non plus. Bah, j'ai son fou Soit vert quand même. les deux ont un fond vert, ou soit les deux ont un mode cadre, tu vois, autour. Bertrand, il a une cam ou pas? Je sais pas, faudrait lui demander. Au moins Je pour sais pas, les. lui Qui avec mettent une pas. carte. Bertrand Lenne qui mettent pas la cam pendant ces lives, je m'en fous, tu vois. Mais essayer, au moins pendant les casts, ce serait bien. Je pense que ça rajouterait un petit plus au cast, tu vois. Bon, par contre, Joker, faudra mettre la chemise comme Kev. Ouais, enfin, et puis toi ton casque, peut-être en prendre un plus petit parce que. Après, Mais tu prends un casque, peut-être pas le. Ou soit laisser. Comme tu vois, bon là, il n'y a pas eu de pause dans ce et match-là. prends une feuille dans tes mains, ça fait toujours pro, tu vois. C'est Ça fait vrai style que pour un de. cast, j'ai pas vu beaucoup de pauses, de 1 minute. Mais peut-être que pendant les pauses, tu vois, quand vous proposez des pauses, que les casters réapparaissent en mode cam sur le live, en dehors quand vous êtes en pause, tu vois. Ah bah ça, on appelle ça une transition de. Bah oui, en transition, ouais. En mode Bah sinon, il publicité. faudrait qu'on prenne des pauses tactiques, mais là, pour l'instant, il n'y avait pas besoin d'en prendre, tu vois. Non. Ah oui. Bah oui, je regardais la VOD, ouais, c'est sûr. Donc au pire, tu les fais apparaître pendant la pause tactique, genre tu changes d'écran, tu mets un fond, Je trouve je que sais pas. ça pourrait être un petit plus pour le cast, ça pourrait rajouter un Mais petit truc. le truc, c'est qu'on n'a pas pris de pause tactique parce qu'il n'y en avait pas eu besoin, tu vois. Tout y était fait entre deux pendant les 15 secondes d'arrêt. Ah oui. Avant l'achat. Non mais quand on pose une pause tactique, c'est vraiment que les résultats sont catastrophiques souvent. Ah ouais, c'est généralement Non, quand pas tu tout le perds temps, non, pas tout un le temps, pas zéro. tout le temps. Souvent Non, pas tout si, le temps. souvent si. Pas tout le temps, mais le 3 quarts temps, c'est souvent le cas. Si tu te prends 6-0, si la team perd 6-0 au bout de 6 rounds, on va commencer à se dire, oh, faut faire une pause tactique et commencer à réfléchir parce que tu vas pas continuer à jouer si tu vois. Ça me fait trop rire, mec. Ça me fait trop rire. C'est n'importe quoi. La F6-0. barre. F6-0, je veux m'en débarrasser, moi. Non, Ah mais en tout ouais. cas, on a fait un bon premier match. C'est bon, on a montré qui on était, quoi. Et bientôt la G2 e-sport, là. Ouais. Bientôt les Vitality. Et Après, puis, c'est c'est vrai bon, on sera première que team. j'ai regardé vite fait la VOD. Les Gastralis. au dé C'est vrai que pendant le tout le début de la game, quand je regarde la VOD, vous êtes à peu près au même niveau, les deux teams. D'un seul coup, votre team, elle a accéléré. Et les autres n'arrivaient même plus à suivre. C'était sur le site terreau, c'était plus simple. Tout Ouais. était fait exprès, les gars, j'allais dire. C'est le sac terreau, ouais, dès que vous êtes passé le sac terreau, les autres. C'est pour ça qu'on a commencé CT, en gagnant le CNEF. Parce Ah oui, bah c'est. que techniquement, quand tu termines sur un terreau, c'est plus simple pour les achats. Ouais, parce que t'as pas le kit et puis l'M4 coûte moins cher. Ouais. Du coup, Du c'est coup, bête. comme j'ai dit, je pense que déjà on a bien travaillé le stuff. Et en plus, on avait fait une tactique juste avant le match et ils l'ont fait, hein, c'est ça qui me fait. Et moi, j'ai compté la tactique qu'on avait fait. On avait fait, ouais. Ah, je suis fier de vous, je suis content. Du coup, je te banne Kev, là. Lulu. Mais Ah, Kev, quand tu dis que sur le live tes joueurs sont bons, excuse-moi, c'est moi qui t'ai proposé l'équipe. C'est pas toi je qui peux pas. étais cherché. Bah, si, quand même, d'un côté, c'est quand même moi qui ai proposé à Bah qui rentre. oui, de créer la team, et après je t'ai proposé des Et c'est joueurs. qui le manager? C'est qui le manager? C'est. Mais Oui, oui! voilà. Ah là, je veux dire vite fait sur le live par rapport à Football Manager, parce que comme j'ai pas pu rediffuser la vidéo de samedi à cause de la musique. Merci la musique. Donc voilà. Donc les Ouais. résultats de l'US Orléans, donc bon, on a fait 2 nuls, 2 victoires, une victoire ratée pour penalty.
Voilà, et on est combien du classement avec Orléans? On est cinquième pour l'instant. Voilà. Et puis aussi, on a eu de la chance, parce qu'on a quand même un joueur qui s'est blessé vraiment à la fin de la game. Il s'est coupé avec une canette. Donc on a vraiment eu de De la chance sur plus, cette grosse franchement, je blessure. suis. Combien de temps c'est de. Ah bah c'est pour ça que je pouvais pas décaler à gauche. Non, je rigole. Ah, d'accord. Non, 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 franchement, grosse blessure. Ah, je pense J'ai que perdu 3 c'est pour litres. ça. Pour ça, à la fin, on n'a pas été bon. Non, à la fin, on s'est fait péter dans le bac parce que personne prenait une Non, minute. parce Il y que a c'est Alex, pas le. je sais Qui pas, est vous plus. avez pas entendu Alex dans le live tout à l'heure? C'est ce qu'il proposait, Alex? Quoi? De devenir remplaçant dans votre équipe, dans l'équipe. J'ai un bug, il y a un bug, j'ai pas bien entendu. Il a demandé, pendant le live, je sais pas si vous l'avez entendu, il a demandé à être remplaçant dans l'équipe. Putain, c'est bizarre, mon micro, mon podcast il fonctionne plus d'un coup. Il a dit qu'il voulait que la Shoden elle joue contre nous. Ah, je préfère, ok, d'accord. Non, non, il a pas dit ça, il a dit qu'il voulait être remplaçant dans l'équipe en fait. Qu'est-ce qu'il en pense, le manager? Le manager, c'est que. Bah, le but C'est est que. éclaté de toute façon, on peut pas prendre deux joueurs en plus. Bah, d'un côté, Bah, d'un on est déjà côté, 5, avoir tu un vois. ou deux remplaçants, ce serait pas mal quand même. Ouais, mais des bons remplaçants. C'est ça le problème. Après, remplaçant, tu joues pas tous les jours, c'est ça le problème. Ah bah c'est sûr Ouais, que même quand pas t'es... des joueurs qui viennent et puis qui disent bah voilà, je peux jouer, je me barre. Bah, le problème, c'est ça. C'est sûr qu'Alex, il a la capacité d'être remplaçant parce qu'il jouera pas tous les jours, il le sait ça. Le problème, c'est Ah, que mais est-ce qu'il a le c'est pour qu'il niveau? arrive. Voilà, c'est si c'est pour qu'il arrive et qu'il stresse et qu'on se fait défoncer dans la game parce qu'il prend pas les pauses. En Oui, il faut un plus, joueur régulier. Je préfère un joueur régulier sur ça. il y a un autre problème, t'as vu, pendant la game, il n'a rien dit, mais ça se sentait, il commençait à s'énerver à nouveau. Parce qu'après, Alex, c'est une game sur 10 où il fait un excellent truc ou voilà. Ah, mais après, il pète Mais trois souvent quarts les. du temps, il est pas régulier. Et il pète les plombs souvent. Et surtout quand t'es là, il est en compétition avec toi en fait. Ouais, tout le temps. Soit toi ou soit Henri. Ah mais moi là de toute façon j'ai comme je pouvais, vous avez vu, je sais pas si vous la voyez pas cette comme je l'ai dit, j'étais en 30 FPS, ça se voyait pas. Mais je la gagne à mort, bon c'était C'est injouable que pour moi. nous on joue pas pour carry les games, on joue pour gagner les rounds. Je sais pas ça. En gros, on joue collectif et non personnel. Tu sais, Et le. je vais te dire la vérité, en vrai, je joue pas du tout contre Alex, moi. C'est Alex qui se met ça dans son Non, je crâne en perds, vrai. mais en fait, en gros, pour moi, il focus trop le scoreboard. Ouais, je trouve aussi. Il comprend pas en fait que tu même si t'as 2 kills et que ça servait à beaucoup de choses, genre. Bon, 2 kills, t'es Avant. déjà un peu sur toute la game. Non, mais tu peux très Tu bien vois gagner pas. des rounds sans mettre 20 kills. Ah Tu vois, oui, ça je change. suis d'accord. Mais s'il fait Voilà. que 2 kills sur toute la game, tu vas commencer à le regarder de ta mère. Écoute, s'il a mis des ninja diffuse. Oui. Non, Et mais qui je rigole. Mais... est le premier du scoreboard des Ninja Diffuse que Bah, Flash c'est ce qu'on avait remarqué l'autre fois. Henri, tu te rappelles, il y a 6 mois de ça, il disait, c'était Henri. Je sais pas si encore sur le live. Il y a 6 mois de ça, Henri joue, il finit premier de la game. Bon, il n'y a pas de souci, il finit premier, moi je dis rien. Et de ce coup, à la fin de la game, il dit, moi je suis meilleur que vous. Il dit qu'il était meilleur qu'Alex et moi. Mais le problème, c'est qu'il a peut-être fini premier de la game, t'es d'accord avec moi, Octoplus. Mais on a eu quoi à la fin, Henri? qui Je sais pas, je Bah, m'en on a fous. perdu la game. J'étais là, moi. Oui, t'étais là, toi aussi. Je sais plus. Si, Henri, il y avait Feutard, toi, moi, Alex et Henri dans la game. Et Henri, il avait fini premier de la game avec sa Aug. Il utilisait tout le temps la Aug, il avait fait plus de Ah, 36 il y a kills. Prime qui demande un switch, là. Ah, c'est qui? Ah oui, Prime. Il avait fait 36 kills, Henri, tu te souviens pas de ça? Il avait fait 36 kills dans la game. Et à la fin, il disait Eh qu'il merci. disait qu'il C'est disait qu'il était meilleur que Alex et moi. le prime. Ah, mais des kills, tu peux en prendre Salut. embêtant, tu vois, donc... Ouais, mais de toute Alors, façon, mais qu'est-ce qui se ça passe? sert à Rien, tu perds. ouais, et faire 36 kills pour perdre à la fin, ça sert à rien aussi. Bah voilà. Voilà. Donc, et à chaque fois que. C'est vrai qu'Henri, souvent, il finissait devant nous au nombre de kills, donc ça veut dire qu'il a un bon aim. Je dis rien, moi je Pas l'avoue. forcément, tu peux prendre que des kills. Mais perdre la game à la fin, donc ça sert à rien. Et si tu peux prendre bête, parce que vu ce que m'a expliqué Feutard, il avait fait pas mal de kills parce que Feutard l'avait bien entamé dans les adversaires. C'est bien 20 kills. Okay, Bah, tu peux c'est faire bien. 20 kills. Si tu fais 20 kills, que tu gagnes ta game, c'est bien. Parce que moi, c'est j'ai fait 2 games, j'ai fait 20 kills et j'ai gagné la partie. T'as fait 2 games Pas 20 mal. kills, ça veut dire que t'as fait une moyenne de 10 kills, c'est ça? Ouais. Bah, le temps que tu gagnes, Quoi? mais si tu rapportes quelque chose à l'équipe, si tu rapportes quelque chose, des bons trucs, c'est bon. Par contre, si tu rapportes rien du tout à l'équipe, oui, c'est pas bon.
Voilà. Ah, j'étais premier. Tu parles de quel jeu? Ah, c'est CSGO. Attends, tu as fait. Attends, tu gagnes la game. Tu finis premier avec que 10 kills. C'est pas possible. Non, 20. L'équipe a 22. déjà débrief la game. Quelle game? Ah, la game CS hier. Non, on n'a même pas débrief Et en je me suis plus. pris une pénalité parce que. Parce que j'étais trop fort. On n'a même pas débrief. Génial, hein. Bravo! Tiens, Non, non, on a il a dit, débriefé bah, là. j'ai rien à dire sur la game. C'était pour. Demain, on va débriefer. L'entraînement, on va débriefer. C'est pas Ouais, bête, ça. hein? Il a dit qu'il nous achetait un skin à 5 € chacun. Ouais, moi ça me va. Non, mais en vrai, genre Et non, pour rien. des petits trucs comme ça, des petites récompenses, moi ça me va. C'est vrai Avec les prix, bien qu'entre sûr, de la team, Game TV. entre team, ils ont pas debrief, c'est sûr, mais à la fin du VOD d'hier, du live, oui, ils ont debrief. Serge Joker, les debriefs en oral sur le live. Voilà. Et moi, j'ai regardé le match une deuxième fois. Moi aussi. Pour voir les passes adverses, ce qu'ils ont fait, ce qu'on n'a pas vu. Pendant la game. Après, c'est vrai qu'il faudrait que Bertrand change son système, parce que, mec. Et bien qu'ils le mettent en automatique, Ouais. non, il n'y a pas Bah, plus. y a la grenade nerf. Parce que l'auto, si tu veux savoir, l'auto c'est comme les kills sont déjà faits d'avance, ils savent directement où se placer et tout. Ouais, mais je le sais, je l'avais compris. Et puis, s'il veut se mettre en troisième personne, il désactive et puis paf, il passe en troisième personne et puis ensuite il le remet. Enfin, il n'y a pas plus compliqué. Après, c'est Tu vrai veux que la faire la Gaming pause ou pas? TV, faudrait qu'on essaye de retrouver un quatrième caster. Parce que pour le projet qu'on veut mettre en place, trois casters, ça va pas suffire. C'est le projet que C'est j'avais dit qui là, Kev. Parce qu'on avait parlé une fois, ouais. C'est C'est ça. qui Ah, le le... caster? Mais on doit Ah, le c'est Dark rechercher, on ne l'a Souls. pas. En fait, les trois casters qu'il y a actuellement dans la Gaming TV, c'est Serge Joker, Bertrand et Feutard. Sauf que Feutard, comme il est dans la team, il peut pas être caster en même temps, c'est pas Ah ouais. possible. Par contre, pour le projet qu'on veut mettre en place, vu que la team ne jouera pas tous les matchs parce que c'est pas possible, Feutard pourra caster des autres matchs. Bah Kev, Voilà. sinon tu te mets caster. Non, non, c'est pas possible. Je m'y connais pas à J'avoue. CSS. Bon, être caster, faut quand même se connaître au CS, faut connaître les pauses, faut connaître plein de choses comme ça, tu vois. Ah, Bertrand, il va le faire et puis il t'accompagne. Non, c'est. Mais en plus, non, ça m'intéresse pas moi. Parce que Serge Joker, s'il est caster, en plus, il est manager de la team, il pourra pas organiser ça. Ce sera moi qui va devoir tout mettre en place. Voilà. Vu que je suis gérant. Ah bah dans ce cas-là, il faut un caster. Surtout que maintenant, Clairement. comment il s'appelle? Vu que GT, maintenant je vais voir ça. Il faudrait que GT, il gère les streamers. C'est moi, j'ai toujours eu confiance en ma team, tu vois. Donc voilà. Moi aussi. Ta gueule, gauchard. Parce qu'en Et fait, aussi. on en parlait vite fait en live là. En fait, on a prévu Pas sur sympa. Joker, comme il connaît plusieurs teams, on va se mettre ça en place. C'est qu'on a prévu avec la Gaming TV de faire un week-end complet du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Donc la finale se passerait le dimanche. Avec minimum, max, c'est combien de teams on avait compté? 16. 16 teams en tout. Avec des tours éliminatoires. Et que ce serait casté tout le week-end. Bien sûr. Comment expliquer? Aïe. Des huitièmes de finale, tout ne sera pas diffusé, c'est pas possible, on peut pas diffuser toutes les teams. On va peut-être diffuser un. Sur les huitièmes de finale, on va peut-être diffuser que 4 matchs. Et sur les quarts, Entre les. les teams et 18 aussi. Attends, oui, dans le final, il n'y a que 4 matchs. Hein. Non mais les huitièmes. En même temps, bah oui, il n'y a que 4 matchs en 8ème de finale, tu peux pas Ah avoir tous mais les matchs. ça risque d'être compliqué. Hein. Ah mais il connaît plusieurs teams Avoir sur tous Joker. les. Ouais mais avoir tous les joueurs à la bonne heure et tout, surtout le week-end. Ah Le bah si on week-end met c'est ça. Oui compliqué mais quoi. si on met ça en place, c'est sûr qu'il faudra prévoir ça en avance. C'est normal, on Ou va pas alors prévoir pas ça. 16, ou alors pas 16, pas ces équipes, mais 12. 12, ouais mais tu peux pas faire. Non, c'est pas possible, 12 équipes. Si. Bah non. Parce que C'est si tu fais possible. des tours éliminatoires. C'est pas Les possible, plus les équipes. tous les matchs bah si, trois groupes de 4, une poule, enfin les Ah, à trois part si tu fais meilleurs. un système de poule, oui, ça c'est Oui. possible. Là, c'est bien possible. Et... Ouais. Ça, Donc oui, 4 4 teams pour le faudra plus. que Serge Joker contacte les équipes en avance, faudra qu'on mette en place tout ça, faudra qu'on libère tout le week-end aussi pour ça, faudrait que je parle aussi aux autres streamers, aux casters, qu'il faut qu'ils se libèrent tout le week-end pour ça aussi. Bien Bon, sûr. moi pour le coup ça va être compliqué. Hein. Ah, ben ça, faut prévoir ça en Plus avance. samedi. Ah mais Ah. moi je te le dis, je pourrais pas Au jouer pire, sur tous les matchs. voilà. Ah mais c'est pas obligé, par exemple on commencera le vendredi soir, mais c'est pas obligé que ce soit la shotgun qui commence le vendredi soir, ça peut être des autres Ah teams. mais vendredi soir, moi j'entraîne samedi, des fois j'ai des matchs et le dimanche aussi.
Et dimanche matin, j'ai l'entraînement aussi. Tu Ah, mais c'est un joueur pro, c'est pour ça. tu Il est vois, joueur pro partout. compliqué. Ouais, mais si on peut mettre ça en place, ce serait pas mal. Ou soit une autre solution, on fait ça Bah, pendant mais les moi, vacances. priorité IRL. Ouais, mais sinon, il y a une autre solution, on fait pas ça sur un week-end, mais on fait ça du lundi au dimanche, pendant les grandes vacances scolaires, au mois de juillet-août. J'ai pas de vacances, je travaille. Oui, je le sais, mais le Pas soir. tout le temps l'autre là. Non, mais le soir. Par Il exemple, bosse ce soir. là, il est 19h, donc le soir, entre 17h et 20h, tu vois. Un match, tu sais, sur un mois, tu fais plusieurs matchs comme une Coupe du Monde, quoi. Mais par contre, ces équipes, c'est quand même peu. Alors, il faudra faire contacter 32 équipes, hein. Non, mais ça, Je c'est que. veux dire. Non, faut pas faire ça sur un mois, c'est trop long, faut faire ça sur une semaine. Tu Ok, commences Non, deux on semaines produit des maximum. danses Bah, Fortnite. ou sur 2 semaines, Bah, ouais. sinon, faut faire un match tous les 2 jours, hein, quasi. Ah, mais sur 2 semaines, on fait un match à 2 jours et plus. En sachant Tous que les tout le monde trucs. va devoir jouer aussi, donc. Et moi, je te le dis, je serais peut-être pas là. Hein. Bah, on verra ça, de toute façon, on mettra ça en place parce qu'il faudrait contacter au moins 16 équipes. Minimum. Joule. Voilà. 12 équipes minimum si c'est le système de Joker. Après, si t'as Alex en remplaçant. Ah bah chaque team peut-être qu'ils Tu vont devoir utiliser des le fais remplaçants, je suis exprès, d'accord. tu le fais exprès en plus, c'est incroyable. Et puis, fin, tu le sais que tu le fais Ah mais exprès. moi là si je veux mettre ça en place, c'est pas par rapport à la shotgun. Si, l'objectif c'est que une team gagne le tournoi à la fin. Mais c'est pour en fait proposer d'autres castes sur la Gaming TV autre que la shotgun, tu vois. Et peut-être augmenter l'audience, c'est ça que je vois, ça. Bah là, l'audience a été bien hier, hein. Vous avez fait entre 15 et 20 personnes hier, ouais. Ouais, non, il était à 18, 20, ouais, un truc comme Ouais, c'est ça. ça. Pour du match amateur, c'est bien. Ouais. T'inquiète pas. Ah, ça prouve qu'il y a une demande envers des matchs comme ça. Vous avez Oui, eu de la je chance, je sais. vous ai pas insulté. Par contre, je Fils de crois que pute. le premier cast. Mais c'est vrai qu'il y a eu qu'un match là. Vous avez fait qu'un match, vous avez pas fait de BO2, BO3, c'est ça? C'est ça. Le premier match casté sur la Gaming TV, le BO3, s'est monté jusqu'à 25 personnes. Quand c'était Henri et tout. Oh, Mais parce pour des que. merdes. Non, c'est pas ça, c'est que comme il n'y a eu qu'un BO1, ça a duré qu'une heure, Ouais, tu vois, à peine c'est la fin de l'histoire 1h15. aussi. Ouais, donc d'office, le temps que les gens arrivent. Et en plus, c'était pas la même heure non plus, parce que c'était le soir, c'est vrai. Après, si on n'a pas d'équipe en face pour un match le week-end, pourquoi on ferait pas genre la shutdown contre le juste pour le fun, tu vois. De quoi? Bah, genre tous les l'équipe, tous les streamers ou les quoi, ils se mettent en face et puis nous, on l'équipe shutdown contre nous. Ouais, mais le problème C'est ce c'est. que j'avais dit aussi, tu vois, comme j'avais dit aussi quand on Ben, pensait. l'idée elle est bonne sans yet. Pourquoi? Parce que si on fait ça, bon, personne pourra. Il n'y aura pas de casse du tout en fait. Bah si, moi je On suis s'en là. fout, ça sera un match pour le. Donc en gros, celui qui streamera, en même temps, il pourra parler si. Ouais, il y a En que fait, ça, ouais, y a que ça qu'on pourrait. Non, tu en pourras pas gros, on caster sera parce en que. live. On sera 5 en live. Ouais. C'est parce que Bertronen, il est. Bertronen, il sera dans l'équipe adverse. Sir Joker, donc il pourra pas caster. Bah, je casse tout C'est pas seul. grave, ça sera un match pour le fun, ça sera pas un match de Non, au casse. pire, je casserai tout seul. Et Sir Joker, Ça bah, me il sera saoule. aussi dans l'équipe adverse. Ça va Non, bien. mais si jamais je suis dans l'équipe d'adversaire, je vais devoir que je vais gagner, ça me casse. Ça Ça veut dire quoi ça? on va payer les équipes pour gagner. Ça veut dire quoi Je vais pas te dire plus. T'inquiète pas, je vais te dire mon titre, il va être content. Sir Tu Joker, si t'es dans l'équipe adverse, il va gagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as il va dit. te focus dans la game. Après, je mets 5 ace. Après, je rentre, je suis capitaine de l'équipe. OMG, OMG tourne Bah, mal. l'objectif en premier c'est de retrouver des teams. Là, je sais que la semaine prochaine c'est pas possible parce qu'il y a des absents dans la team. Non, c'est automatique, tu veux dire. Après, Ouais, cette si on semaine n'a il y a pas de trop team en d'absents. face, on peut très bien partir en matchmaking et puis vous regardez le matchmaking qu'on va Ouais. faire. Hein, je sais Mais il y a trop d'absents, vu ce qu'on prie la semaine prochaine, c'est ça? pas. Ou au pire, je sais pas, un training ou j'en sais rien, hein, vous Ouais. faites ce que vous voulez. Mais il y a Ça, on combien, peut je casser suis en la train de gaming. penser, cette semaine il y a combien d'absents? Ben, moi, le week-end. Il y a toi, GT, et c'est tout, Il y a non? Fetar aussi. Il y a Fetar, ouais, ça fait 2 personnes en moins, ouais. Moi, j'ai pas regardé Octo, il est si je pas là jouais le ce week-end vendredi ou pas. soir et tout. Non, bah, mais 2 personnes en moins, Octopus, c'est trop compliqué, même si t'es présent, Bah, faut vendredi trouver. soir, samedi, je crois, ou samedi ou dimanche, je sais plus, faut que j'en regarde. Bah, mais c'est 2 personnes en moins, ça va être trop Moi, compliqué. même, j'ai pas envie de prendre des mecs au hasard, que c'est un peu chiant, et même pour les trucs d'équipe et tout ça. Genre moi! Ouais, surtout Non, toi en mais là, c'est plus. même pas au hasard, là, c'est là qu'il faut prévoir des remplaçants quand même dans la team, mais le problème, c'est que. Ouais, C'est-à-dire que mais les il faut que je. remplaçants, faut que les remplaçants aussi travaillent beaucoup et si Alex veut être remplaçant et qu'il s'entraîne pas, c'est Ah mort, tu mais vois. le problème des remplaçants, c'est qu'en fait, s'ils font les trainings avec nous et qu'ils jouent pas, tu vois, ils vont se casser.
Ouais. Ah, c'est ça le problème. Ah non, mais après, tu peux prendre des remplaçants comme Alex. Alex, tu sais qu'il partira pas. Oui, non, mais sauf qu'Alex, il fait descendre le moral de l'équipe à chaque fois. Voilà. Ouais, le truc, c'est que lui, il va partir, mais de la game, en rush kick, tu vois. J'ai appris à mes joueurs à être positif, c'est pas pour que y a Alex qui vienne pour le tout casser. Hein. Et moi, vu mon niveau, c'est pas la peine, j'ai trop niveau trop bas, moi. J'ai remarqué souvent qu'il y avait du trash talk, bah, genre, tu sais, du trash talk gentil, hein. Par contre, attends, dans la VOD, ça, je l'ai laissé, mais comment ça se fait qu'on entendait deux fois les adversaires dans le live? Ils ont parlé en vocal dans le jeu. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, quand t'es en spectateur, tu les entends. Ouais, et en plus, c'est des rotate. Rotate. Mais j'ai entendu deux fois ça, ouais. C'est pour ça que nous, on parlait Discord, pour pas que ça s'entende dans le live, non. Même on l'a entendu que deux fois, on a entendu que deux personnes parler dans le live. Les adversaires. Ils ont dû avoir leur problème résolu de Discord sur vous. Je pense, ouais. Mais comme on a eu le bug. Ah bah bon, c'est un peu dommage. Si tu être méchant, entendre ça dans un cast, normalement tu devrais pas l'entendre, mais bon. Si, il y a déjà eu dans les pros qui étaient pas exact. Ouais, c'est déjà arrivé, mais bon. Ouais, des fois ça crie. Mais non, il s'est fait exprès, hein, c'est pour rigoler. Des fois, ils sont pour rigoler, hein. Tu sais, j'aurais dit, t'es mauvais ou un truc comme ça, dans le cas, enfin, un truc, tu vois. Ah ouais, mais pour rigoler, mais. Mais bon. C'est vrai, c'est qu'en casse, quand t'entends des joueurs parler, ça fait un peu bizarre quand même. Non, c'est marrant. Ouais, c'est marrant, c'est sûr, mais. Après, c'est bien, c'est que les casters, ils peuvent rebondir dessus, tu vois. Si le gars est sorti une connerie ou quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Un calorier! J'aime bien un moment, mais entre l'aide, j'étais mort de rire. Ça, j'ai mis une petite phrase. Ça, au même moment qu'il dit ça, j'ai mis la phrase dans le casque. Ça m'a fait rire, ça. Tu vois, Mantis et Octopus, ils avaient pas les moyens, tu vois. Mantis, il était au Deagle comme Octopus dans la game. Et c'est Joker, pas... il sent la réflexion. On n'a pas les moyens, c'est que le Deagle, on le joue. Ouais, voilà, mais Joker, à un moment, il dit à Bertrand, Mantis, t'inquiète pas. il dit à Bertrand, Mantis, t'inquiète pas, il est très beau au Deagle, y'a pas de problème. Mais là, ce qu'il dit, Joker. Mais juste avant, tu sais ce qu'il a dit, Brassonhead. Tu vois, GT, il avait de l'argent. Donc, il aurait pu drop. Et il y a Brassonhead, il dit, GT, il ne drop pas. Il gagne son argent, c'est un gif. Il dit ça dans la game. Dans le café, j'ai entendu, ça m'a fait rire. On a fait exprès, justement. Il s'est demandé, hein, t'inquiète pas, dans le jeu. On dit, là, Mantis, il avait dit, je buy Deagle. Et ouais, il joue Deagle, il a mis deux têtes. Ouais, mais je sais, je suis d'accord, mais ça m'a. Mais comme Bertrand, cool, oui, mais comme Bertrand et Caster, lui, il entend pas ça, vous êtes sur Discord. Ouais. Ah, c'est pour ça, nous, tu vois, là, on, l'économie, on la gère quand même, hein, faut pas croire. Ouais, je suis d'accord avec vous. Parce qu'on savait qu'au pistol, on arrivait à mettre minimum un kill chacun, donc du coup. Ouais, mais je suis d'accord, mais c'est comme Bertrand, lui, il entend pas ce que vous dites, c'est normal, parce qu'il peut pas, il devrait pas l'entendre. Et c'est ça qui est marrant, parce que. Ce qu'il dit, ça correspond pas à ce qu'il y a eu dans l'équipe, tu vois. Ah, il est juif. En fait, il a dit que c'était un juif parce qu'il donnait pas d'armes. La réflexion m'avait fait rire. Et c'est ça qui est marrant quand le caster, tu vois, quand le caster, il n'entend pas ce qui se passe dans les teams. C'est marrant parce qu'il va dire des choses qui correspondent peut-être pas à la game, tu vois. Voilà. C'est ça qui est marrant. Mais bon, ça. Après, c'est une question d'alchimie. Hein. Ah oui, c'est ça. Le truc, c'est qu'il pense comme un joueur solo et que nous on a pensé comme une team, tu vois. Donc, la différence est là. Donc, pour lui, c'était illogique qu'on faisait du bail alors qu'on était en écho, tu vois. Mais... Et moi, c'était logique parce que je connaissais mes joueurs. Je connais mes joueurs, avancé, tu vois. On a dit, vas-y, il faut acheter les pistoles. C'est le manager qui est casse-couille. Moi, je connais tous les joueurs. Et puis, quand tu regardes le round, Kev, moi j'étais à la WAP, je prenais la grande ligne. Et puis, Mantis, il était jaune. Et puis, ouais, je sais. Je l'ai vu le round. Mais en fait. Ils font gérer tranquillement le A. Hein. Ouais, mais je sais. Mais en fait, c'est quand il sort ça, c'est ça qui est... Elle est marrante, la réflexion, il te sort ça comme ça. En même temps, t'es un peu un juif, tiens. C'est vrai. J'avoue. Après, c'est pas méchant, c'est juste marrant quand il sort ça. Alors moi, j'avais même demandé un drop à Sweep, il m'a même pas répondu. Ah bah d'accord. C'est pas mal. C'est pas très gentil. Mais... Après des réflexions rigolotes comme ça, non, ils n'ont pas fait beaucoup. C'est surtout cette réflexion-là qui m'avait fait rire. Par rapport à l'histoire. Si je fais un logo déjà, un bon logo là. Ce serait bien que Joker essaye de récupérer les logos des deux teams pour la miniature. Mais nous, on a déjà pas de logo. Là, faudrait en créer un, parce que là, la miniature sans logo, ça va peut-être pas le faire pour le cast. T'inquiète pas, il y a encore 9 jours à attendre. Ah oui, mais je sais, t'inquiète.
Le Joker, je pense que je peux essayer de contacter Azo pour qu'il lui passe le logo. Pourquoi tu dois attendre 9 jours là? Hein? Pourquoi tu dois attendre 9 jours? Parce que il sera posté que la semaine prochaine la vidéo. C'était déjà prévu comme ça. Pour l'upload. Mais de toute façon, le cast n'a même pas de miniature. Ah, tu l'envoies sur en avant, gros. Le cast n'a pas de miniature en fait encore. Ah, Kev, attention. Hein. Pas chier. De quoi? Tu me réponds même pas, quoi. C'est... J'ai pas entendu. Non, je dis quand tu emploies, tu mets combien de temps pour envoyer la vidéo? Ah, ça dépend de la taille. Ça dépend de plein de choses. Bah, là, comme 49 minutes. Ça dépend de la taille. Je ça dépend, non, mais même. Genre un giga, tu dis ma copine, ça dépend de la taille. Un giga, je vais mettre 2 heures, 2 heures et demie. Là, la vidéo que j'ai pas montée avec montée, faut que je la retravaille encore un peu, faut que je la revisionne pour la retravailler. Non, mais elle est pas encore montée, faut que je la revisionne pour essayer d'enlever des moments aussi dans la vidéo. Moi, 20 minutes, même pas. Alors, ça va être compliqué de descendre à 20 minutes. Parce que le problème, le problème, c'est qu'en fait, tu t'expliques, Bertrand, le problème, c'est qu'il a. Comme il visait que un par un, bah, le problème, c'est qu'il visait jamais les meilleurs moments. Donc en fait, on n'entend que les paroles. C'est yé qu'aux paroles, en fait. C'est compliqué. Je pense que t'as pas compris, en fait. De quoi? Je parle pas de. Moi, je te parle de 20 minutes de plus. Ah non, je sais pas. Comme je te dis, ça dépend du nombre de gigas et tout. C'est ce que je viens de te dire. Après, sinon, faut télécharger la démo du jeu et t'en mets le son du casse derrière. Non, mais voilà. Et puis, faut aussi, prochain casse, qu'ils se mettent en tricoto, parce que... Non, moi, je préfère travailler avec les deux streams, c'est plus facile, c'est vrai. C'est quand même mieux. Sur 720p ou pas? Bah, ouais. il envoie 700 en 1080, Bertrand. Le truc, c'est qu'il y a le net graph en bas droit, donc c'est un peu pétard. Faudrait qu'on le prévienne. Faudrait que quelqu'un lui dise à Bertrand. On va le dire. Prochain cas, je lui dirais de mettre le WTRP et. Ouais, mode automatique et. Netgraph 0. Ouais, qu'il enlève net, le graph. Ouais, je crois. Net tiré du. Je sais pas pourquoi il a ce graph en cas, j'ai pas compris moi. Tu as dit 8, pardon. D'habitude, quand tu joues. Quand tu joues, c'est pas gênant qu'il te laisse, mais bon. Bah, tu vois ton ping quoi, s'il augmente ou pas, tu vois ton FPS si t'as des chutes. Tu vois ton ping, tu vois si le jeu est bug et. Ouais. Par exemple, la merde de Prime, j'ai. Après, côté animation, Bertrand Lane, il n'y a pas trop de problème parce que côté caster, il a fait 2 casts depuis le début sur la Gaming TV et. En termes d'animation, en plus, ça se supplée bien parce que. Avec Feutard, la dernière fois, ça se suppléait bien et là, avec Joker, c'est pareil. Bertrand Lane, il présente bien et tout, tu vois, il est calme, il sait ce qu'il dit, tu vois, quand il pose. Et il prend un peu les trucs à ESL, donc c'est cool. Et après, t'as Joker qui est plutôt. Il anime bien, il rajoute derrière ensuite. C'est ça que j'aime bien. C'est juste que Joker, il faut pas qu'il se déchire dans les pseudos. C'est vrai. Ah, mais en même temps, gros, ouais, j'ai. Bertrand, il a fait que m'appeler MLT ou ML ou. MLDT. Ah, ouais. MLDT, tu connais plus pseudo, il est trop dur à dire. Oh putain, mais enfin, Exality il arrivait même pas à le dire, MLTD il arrive pas à le dire, non mais attends, mec, genre je vais juste mettre GT, exemple. Mec, juste mettre GT, tu sais quoi, moi comme ça. Ah ouais, ça devrait être bien parce que. Après, le pire c'est quand même Mantis, parce qu'il a marqué Majesté sur Discord, Majesté sur le live et le jeu, mais il dit quand même Mantis, Joker. Bah après, tout le monde dit Mantis en fait. Majesté, alors que c'est Majesté. Non, parce que en fait t'es pas un prince, c'est moi le prince ici. Ouais, non, mais je pense qu'il faudrait éviter parce que c'est vrai que quand tu regardes le stream, les gens qui regardent le cast ils disent c'est qui lui? C'est ouais, ça, ils cherchent après le joueur, hein. Ils disent c'est quoi le délire? Ouais, c'est comme Feutard, à un moment il sort Feutard. Sans changer le cas, il dit Feutard au lieu de dire Petkouch. Voilà. Bah, en même temps, vous êtes meilleur parce que mec, je vais pas dire Petkouch. C'est vrai que c'est un peu bizarre de dire Petkouch, je suis d'accord, mais bon. Et Prime, je te prends un octogone toi. T'as école demain, merci. C'est vrai que le vrai pseudo, le problème sur deux jeux, c'est Petkouch, c'est pas Feutard, donc. Putain, t'es trop con. Oh, ça y est, ça trash talk. Oh putain, que je le tapis. Parce que même Bertrand, à un moment, tu vois, Bertrand, au début de la game, il fait la réflexion à Joker, il dit, mais c'est qui Feutard? Ah ouais, il a perdu en route aussi, lui. Ouais, il l'a perdu entre temps, ouais. Bertrand, il a d'autres QI. Bah non, c'est pas ça, c'est qu'il sait pas qui c'est. Si, il sait qui c'est Feutard, il connaît Feutard de nom. Il le connaît parce que ça fait un moment qu'ils se connaissent, Bertrand et Feutard, ça va faire 2 ans déjà, 2 ans et demi même.
Mais bon, dans le jeu, il s'appelle pas Fêtard, donc. Ouais, ça Moi fait au j'ai moins appelé 2 ans et demi, Tokyo, j'ai 3 ans. appelé. Ça doit faire au moins 3 ans que Bertrand et Fêtard, ouais, qu'on se connaît, donc. Ah oui, c'est aussi. Ça m'a fait rire, cette réflexion aussi. À un moment, il y a Bertrand qui dit c'est dommage, ils parlent pas ensemble en parlant de votre team, la team de Joker. Tu vois. Et Sir Joker, tu sais ce qu'il dit? Sir Joker dit, bah c'est normal, ça fait qu'une semaine qu'elle existe, la team. Et après, tu sais ce que Bertrand a répondu? Il a répondu, mais ça fait 2 ans qu'ils se connaissent et qu'ils jouent ensemble, moi. Non, mais je sais pas. Ah, tu n'as pas compris. Est-ce que Sup, est-ce que ça fait 2 ans qu'ils jouent Non, ensemble? mais je Non. parle pas de Sup, tu sais qu'il faut le mettre à part. On Voilà. parle des autres, il parle. Voilà, On s'en merci. fout. Merci. La rotation, ils étaient bien prises. Hein. Quand il y en a un qui lâchait le mine, il y a un gars du B qui allait prendre le mine et inversement. Oh oui. Non, mais en fait, à un moment, c'est qu'en fait, dans la VOD, c'est au moment que, en fait, dans la VOD, on voit Feutard. Il a dû vous le dire, mais Feutard, en fait, à un moment, il quitte le mid. Et juste après d'avoir quitté le mid, il rejoint le car. Et celui-là qui est sur A, il se fait tuer par derrière, avec un Ouais, mais mauvais c'est moi. timing. Bah, c'était toi, C'est GT. moi, c'est moi. Ouais. Et Bertrand, en fait, il a cru que Feutard n'avait pas donné l'info, en disant Ouais, qu'il mais il repartait du avait. mid. Non, mais il avait pas donné assez clairement et puis fort en fait. J'ai même fait le reproche. Ah! Parce que enfin, j'avais pas entendu. Ah voilà, donc en fait j'avais raison, en fait il avait mal donné l'info, donc Bertrand il s'était pas trompé en fait, sur le live. Parce que enfin, sinon, bah, j'aurais pris mes limites quoi. Enfin... Ouais. Ça je l'ai vu sur la VOD, mais ça se voit tout de suite quand il y a une mauvaise info qui passe, ça se voit sur le live de toute façon. Et puis fin, tu sais là Oh! le Ace là qu'il a fait la DLP, Ouais. genre j'arrive un peu comme une fleur, c'est parce que j'ai enfin j'avais entendu une info NBK, donc c'est pour ça que je regarde à droite et puis pas Yellow, parce que enfin il y avait un mec NBK mais j'avais pas entendu l'info Yellow, c'est pour Ah ça oui. que je me fais dire par les DLP. Parce qu'à un moment dans la game, je vois, il y a Octopus qui arrive diver. Et en fait, il n'a pas vu à gauche, il n'a pas regardé à gauche et il se fait tuer par celui qui est à gauche. Moi, on me dit Ouais. dans l'oreille, moi, on me dit dans mon oreillette que leur manager il est trop fort. Je sais pas c'est qui, mais. La Ah, série de t'es 6 matchs sans merde. défaite du Nassau Orléans a commencé. Putain, j'ai jamais perdu avec Orléans. Pas trop bien. T'es trop nul. Non, mais je perds jamais, je suis trop nul. Tu te crois où là à dire ça? Hein? Du coup, demain, je serai pas là, les gars, pour l'entraînement. Yes! Yes! Hein? Du coup, ce Sincèrement, que, du du... coup. Ouais. Non, non, mais j'aimerais que Feutard peut faire quelque chose, je sais très bien. J'ai confiance en Pourquoi tu Feutard. pars? Et on travaille quelle map là? Parce que j'ai foot. Oh non, la foot! Ouais, du coup, vous travaillez à quelle map? À votre avis? Tu vas faire du cash? Non. Non, Je on fait pense. une somme Mirage Inferno. Une Mirage, parce que je vois que Mirage, il y a eu. Ta maman. N'arrive pas très bien à la jouer. Et même, qu'il connaît pas toutes les smokes, etc. Feutard, je sais bien que Feutard, il connaît la plupart des smokes qu'il peut amener à A. Ah ouais, Feutard. Ah, les smokes sur Mirage, ils sont, on va pas dire compliqués, mais chiants à faire. Ouais. 18 minutes et je peux jouer. Je Bon, vais t'acheter moi, mec. la mine. Oula sur le site qui sont chauds. Moi, je suis content, je suis 5e du championnat dans le jeu. Attends, Donc voilà. mais Tu attends. joues contre qui demain? Par contre vendredi, je suis là. Hein. Comme Octopus c'est une semaine sur deux T'as un vendredi. match demain? Quoi, une semaine sur deux? Bah c'est très bien quand on avait fait à deux. Enfin quand on avait fait tous ensemble là. Et que ça Tous avait fait. ensemble, tous ensemble, On faisait une ouais. semaine sur deux. Un jour Ouais. c'était le mardi, mercredi, et puis l'autre jour c'était le. Mardi, vendredi. Ah, je joue Enfin, contre l'autre semaine. Valenciennes Moi je après. dis le vendredi, des fois je vais à l'entraînement donc. Est-ce que cette semaine tu vas à l'entraînement? Je sais pas, je verrai si je suis motivé vendredi. Si je suis motivé, j'y D'accord, vais. Je pense en à ça. fait ça dépend du joueur. Ah, d'accord. Ah, Octopus d'accord, il fait gros. ce qu'il veut. Bah, Moi si j'ai. t'as la flemme de lever ton cul, t'y vas pas, quoi. Bah non, c'est le truc, c'est que ça dépend. Des fois je me dis, je vais jouer vendredi, tu vois, et si je joue samedi, c'est chaud, tu vois. Parce que t'as les grands matchs, t'as les Ah, gens. mais tu peux jouer, tu peux y aller quand tu veux. Eh non, sur l'entraînement lundi, j'y vais, tu vois. Comme Mais Non, mais je tu trouves paye des quand même. excuses de merde ou pas? Tu trouves des excuses pour pas y Non, mais aller? enfin, Pas il paye d'excuses après, à donc il y trouver, va le plus j'y vais pas, possible, c'est quoi. tout. Eh, Ah, moi, je suis. t'as pas besoin de donner des excuses, rien. Non, mais je suis senior, hein, je suis pas un enfant. Hein. Je suis pas là pour dire, il faut faire un mot Je suis d'excuses. pas un enfant. J'ai pas envie de venir, j'y vais pas, c'est tout. Ouais, il me faut mon excuse des parents. Bon, Non, Pierre, moi, ouais, ok, bah, bon. quand je m'en fous, il faut une. Non, mais Bah, toi, enfin, t'es je kiffe, jeune. quoi, mais. T'es dans les Non, 15, t'es mais dans les foot, U16, non? c'était T'as pour payé étudier. combien, toi, Octo? Pour la licence. Tu as quand même payé quand même pour. Bah non, je suis entraîneur, je fais pas la licence. Ah, toi t'es l'entraîneur? Bah ouais, moi j'ai une équipe à moi et je joue en senior.
Donc du coup, je paye pas la licence. Dans mon club où je suis, en fait, ils feront pas payer les licences aux entraîneurs. Moi, je paye 375 €. Ah, 375. Alors, t'aurais pu t'acheter une carte graphique avec ça. 77 €. Fais ouais, ta mère. Elle a pensé à ça. Ah bah cherche pas, peut-être Electrode, il est parti s'entraîner chez toi. Il est parti, il s'inscrit au... Non, il s'inscrit au club de foot. Licence, ouais. Il est parti s'inscrit au club de foot. Dans ton équipe. Non, il va pas être... non, ils vont pas être dans la même équipe, ça va être l'adversaire, Electrode. Non, mais en même temps, il est gros, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il peut être gardien de but. Clavier, il est trop gros. Ah. Sans ceux qui courent pas, ils sont dans les buts à chaque fois. Hein. Ah, mais il peut être gardien de but, en fait. Ouais. Non, mais ça sert à rien, les cas. Il voyait celui qui court pas qui est dernier dans les buts. Ouais, ça non, à l'OM, en vrai, t'as un joueur qui court pas, il est pas gardien de but. Il s'appelle Mario Balotelli. Eh, hey, il marque des buts, hein. Ouais, mais il court pas. En vrai, il court pas. Il fait que marcher sur le terrain. Parce que tu sais pourquoi? Parce que lundi, dimanche matin, la Provence, dimanche matin, sur le journal de la Provence, tu sais ce qu'il a dit, Balotelli? Il a dit, heureusement qu'Ocampos est là, parce qu'il tire, il court pour deux personnes. Parce que lui, il court pas. J'étais mort de rire quand elle a dit ça. Les gars, est-ce que vous êtes amoureux de Kevel ou s'il y a que moi qui est amoureux? Non. Je sais pas qui est le plus amoureux de Kevel. T'as vu les supporters du PSG qui ont insulté parce qu'ils entraînaient au Parc des Princes? Non, c'est pas ça. Ah, t'as pas compris l'histoire en fait. Non, en gros, ils ont perdu la Ligue des Champions. En fait, comme ils ont été éliminés la Ligue des Champions, ces supporters du Paris Saint-Germain, ils sont en colère et ils sont en train de foutre le bordel et ça se passe. Bah, il faut une manifestation, un truc comme ce genre. Voilà, ils ont targué le centre d'entraînement, ils s'en prennent au club, ils insultent tous les noms, les joueurs. Voilà. Ils mettent des pétards et tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. On dirait les gilets. Et en plus, ce prochain match à domicile du Paris Saint-Germain, ils ont décidé de faire grève. Ah non. Hein? Ah bon, c'était contre qui? C'est contre l'OM. Ah! Ils vont faire grève contre l'OM. Voilà. Parce qu'ils sont en colère. Moi, bien sûr, moi, nouveau entraîneur de l'équipe. Mais voilà ce qui se passe à Paris, en fait. C'est le gros bordel au parc. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont champions de France tous les ans. Les Paris Saint-Germain. Mais ça les saoule. Ouais. En fait, ça saoule les joueurs. Ça saoule les... ça saoule les supporters et tout, ils en ont marre. Ça les casse, alors casse les couilles d'être que champion de France. Voilà. Je vois bien. Vos matchs. Bah, c'est normal. C'est des équipes. C'est une équipe qui peut être champion d'Europe à l'aise et je comprends les supporters. Voilà. Quand tu dépenses plus de 1 milliard d'euros et que t'es même pas capable de faire quelque chose. Il y a quand même un problème quelque part. Maintenant, tu comprends ce qui se passe au Paris Saint-Germain maintenant. Ouais, je vois bien. Voilà. Putain, hier j'ai fait une égalité. Ah. J'ai fait une égalité contre un truc. C'est normal quand tu dépenses plus d'un milliard d'euros et qu'à la fin. Voilà. Nul, Germain, t'es nul! Et comme par hasard, Neymar, il était blessé pendant les deux matchs de 8e de finale. Ça, c'est très bizarre aussi. Mais bon. Allez, bon, moi, je joue contre Valenciennes en match de coupe. Donc, on va essayer d'éliminer Valenciennes. Les gars, j'ai retrouvé Alex. T'as retrouvé Alex? Ouais, c'est Alex, là. Alex Homme 14. Alex 14? C'est lui aussi. Mais regarde, tu vois. Écoute ce qu'il dit. Hein. Et j'entends rien parce que la vidéo ne veut pas se lancer. T'es chiant avec ton Facebook, sale gros, va. En gros, il dit. Oh, oh putain, je te baise. Il dit, oh putain, mon bobo. Hein, quoi? 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 C'est quoi ce combat de casse? Je sais pas qui c'est. Écoute. Je sais pas qui c'est le Cassos au début, mais je crois que c'est Prime. Allez! Ah bah 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 bah! T'as entendu? Oh putain, mon bobo! Après qu'on a gueulé! Ah, tu m'as pas chier! Et mon bobo! Mon bobo! C'est quoi le fuck qui crie derrière là? Aïe!
Bon, du coup, ça fait quoi ici? Ça fait rien. Non, je demande un peu aux gens qui sont des flemmards. Moi, j'ai arrêté de jouer à CS, c'est pas possible, c'est injouable pour moi. Je tourne à 40 FPS de moyenne. Ah. Ouais. En live, je tourne à 40 FPS de moyenne, c'est pas possible de jouer. Et du coup, t'as la nouvelle du PC maintenant? Bah, faut que j'attende, là, il est en cours de montage encore, donc. Putain, c'est chiant! Bon, du coup, Octo, il fait quoi? Ouais, je sais pas, il est parti, on dirait. Il va être toujours en cours de montage, donc à mon avis, ça va pas être aujourd'hui qu'il va être fini. Joku, tu fais quoi? Moi? Il faut rien comme à chaque fois. Si, j'étudie pour mathématiques. Mmh. Ah bon, t'étudies? J'ai pas le choix. T'as pas le choix? Bah, il veut être plus intelligent que toi, Prime. C'est pour ça qu'il étudie. Non, c'est pas ça du tout, c'est parce que. C'est un. Joker n'a pas envie d'être. Joker n'a pas envie d'être chômeur professionnel comme Prime. Bah, comme toi. Non, on dit comme Kevel. Oh! Moi, je suis pas dans le même cas, mais bon. Non, mais Kevel, Kevel c'est pas sans faute, hein. C'est pas pareil. Prime, tu viens sur CS ou quoi? Vas-y. Allô, les gars, je fais une invitation. Attendez. Si je fais une invitation, tu me dis c'est qui c'est. Allo. Jonathan. Voilà. Oh putain, mec. T'es trop fort. Ouais, il m'a saoulé le jour là. Par contre, Gavel, il a abusé Jonathan là. Tellement que je suis trop fort, ils m'ont mis 20 heures de pénalité. Non, c'est parce que t'as win the game, c'est tout. Ouais, elle a gagné ses deux premières games, Prime, faut féliciter. Une avec 25 kills et l'autre avec 19. Le problème, c'est qu'il a fait, plus de 650 games, donc. Ah non, je rigole. Tu veux, j'en ai 1, 2, 3, 4. Prime, je gagne combien pour l'imitation? C'est pas Prime qui a fait allô. Allô. Putain, c'est Jojo. De toute façon, tu peux pas imiter Prime, il est con. Non. Ah. C'est vrai que j'en étais sûr, ça, mais bon, quand même, un peu... Ta gueule, toi. Parle bien, Joker. Oh, moi. Parce que dans 2 mois, il sera remplaçant de manager. Okay. Ah. Donc, moi, je suis bien que... C'est pas moi qui l'a dit, hein. Moi, je te dis directement, sup, mais pour moi, il va y avoir un deuxième manager avec moi. Quoi? Oui, il s'appelle Octoplus. Non, ça va être Cable. Putain, je viens de regarder ici le replay d'hier. Ouais, du coup? Bah, je pue la merde. Bah, ouais, voilà. Franchement, il y a des beaux trucs que j'ai fait, mais il y a vraiment des trucs tout simples que je rate à côté. Bah, le cas du M4A1S. Au quad là, au quad. Bah, je peux comprendre. Les trucs simples que je rate, c'est abusé. En fait, de loin, t'as la salle IM, mais de près, t'as pas d'IM. Bah après c'est pas gênant. J'ai changé mon corsaire. Ça c'est pas gênant, en vrai tout ouais, ça se travaille en vrai. Et c'est pour ça que je suis là. Après Betrolen, là, genre tout début, ouais, ça fait longtemps que vous jouez ensemble. Mais il faudra lui rappeler un peu à Betrolen, c'est que on a même pas lancé une fois full équipe. Non mais en fait, quand il parle de ça, c'est qu'en fait tu prends Feutard, Octoplus, GT et le quatrième c'était qui? Mantis. Les Mantis, c'est des joueurs qui jouent régulièrement ensemble quand j'étais en stream avec moi et tout. Mantis. Voilà. Donc en vrai, eux, ils étaient habitués à jouer ensemble. Que toi, Sweep, oui, t'es nouveau, donc t'es arrivé après. Voilà. Mantis. C'est vrai que les 4 premiers, oui, ils ont joué souvent ensemble quand moi j'étais en stream. En fait, il est où Mantis là, Auto? Je remets B2K. Oh, je vois ça lui. Bah, parce que c'est un basketteur et qu'il fait le basket. Voilà. C'est normal. Tu peux mettre combien toi, Octo? Mettre 80. C'est ma première game Prime, donc. Et le PD de Mantis. D'accord. Non, mais je sais que tu joues. Feutard, t'as joué aussi avec. Avant, tu joues souvent quand même avec Octoplus et tout, avant, à un moment. Quand sur mes lives, tu joues souvent avec moi, avec nous. Qui se mesure combien? Bah, Feutard. Combien ou pas? Surtout quand je stream, en fait. Surtout quand je stream. Il y a des gens qui gueulent. Ouais, mais c'est surtout quand je streamais moi. Ah bon. Trois coups, j'avais. Allez, Prime. Mec, Mantis, ouais, de temps en temps, ouais. Mais Sweep, ouais, faut le mettre à part parce que Sweep, il a pas vraiment joué avec vous. C'est peut-être l'une de ses premières games avec vous. Alors, en team, ouais. Après, on a fait 2-3 games avant, mais. Mais avec. C'est pas des vrais games. Ouais, à chaque fois, il y avait jamais les mêmes joueurs. C'était à l'arrache, ouais.
Par exemple, une fois, il y avait feu de tard, mais c'était moi, par exemple, qui était là, et c'était pas Mantis, donc... Donc, voilà. Une fois, il y avait, là, tout à l'heure, c'était Alex qui était... Il y avait Alex et moi, et les trois autres, bah, c'était ceux de la team. Octo, feu de tard, et ouais, ça... Je voulais pas bouger, t'es ton feu de tard. C'est vrai que quand je joue, c'est vrai que moi, quand je joue en live, ça efface quelqu'un de la team, obligatoirement. D'accord. Bah oui, oh, bah, les 5 joueurs de la team vont pas jouer avec moi, c'est pas possible. On joue pas ici. Vraiment, je change mon corsaire. Parce que là, j'ai changé un autre, je suis pas habitué. On joue pas à 6 en team, donc ouais, c'est logique. C'est comme Alex, quand il joue avec moi et qu'après, les 3 autres viennent avec nous, ouais, c'est... Voilà. Mais bon, bah là, CSGO, c'est mort, parce que je vais pas continuer à jouer à CSGO. C'est... Pour moi, jouer à 40 FPS, c'est mort. Putain! De coup! Ah, mais tu slow, gros, je sais bien que t'es là en fait. Je slow. Oh, Loris. Ouais. T'as vu Zidane, il est revenu au Real? Mais non, il va pas revenir. Si, c'est officiel, il a signé. C'est officiel. Il a signé à 18h. Il a signé, il y a eu un communiqué du Real. Tout a été signé et tout. Contrat signé et tout. Il fait son retour au Real Madrid. Oh putain, de coup encore! Un sup. Après, t'en penses quoi? Après, je sais pas. Peut-être si Prime, s'il aurait de l'entraînement, je sais pas s'il pourrait intégrer la team comme remplaçant. Mais déjà, j'ai encore ça qui est nul. C'est ce que je dis, s'il a de l'entraînement. Non, il cherche son concert là déjà. Ouais, bon, ça va mettre un an et demi. Bon, donc, bon, bah, il est pas prendre rejoindre la team. Non, j'ai changé mon corsaire sans faire exprès. Donc Corsair. Corsair. Non, c'est pas une marque, hein. Corsair. Fils de pute. Ben. Alors, en plus, c'est le manager, il traite, donc... Plus. Deux coups encore, putain. C'est vrai que sur CSGO, actuellement, dans ce jeu actuel... Ah, calendrier. Dans CSGO, par rapport aux joueurs qui pourraient être remplaçants de la team, moi, c'est mort. Donc, sur ce jeu, ça m'intéresse pas. Trois coups, mais putain. Vous allez être méchant, non? De toute façon, de base, ça m'intéresse pas. Alex, lui, le problème, c'est qu'il saura même pourquoi. Il viendrait même pour les entraînements. Ah bah, je fais un Rodrigue 2, j'attends. Ah, mais moi, je veux des mecs sérieux, je veux pas des mecs qui restent 30 secondes. Ah, mais c'est ça, mais Alex, il viendrait même pour les entraînements. Je vois les gens qui travaillent. Je sais que si, bah, lui, quand il est sur un projet, il s'applique à 100%. Je sais que JT, c'est un buster. Octopus, un enculé. Mantis, bah, Mantis, tout est déjà acquis, bon, bref. Bah, en plus, l'entraînement c'est tout le temps positif, c'est tout le temps un truc qui est présent normalement. Même quand t'es bon joueur, tu t'entraînes toujours sur CS. C'est pareil sur tous les sports. Exactement. Ouais. Bien sûr, c'est ce qu'il faut toujours s'entraîner dans la vie. Ouais. Faut toujours atteindre un but maximal. Parce que je vais te dire un truc, par exemple au football, si Cristiano Ronaldo serait arrêté de s'entraîner, je peux te dire que il serait mauvais. Un peu de mille. Ah, il serait devenu comme toi quoi. Le colorier. Oh. Donc voilà. Faut que j'en avec moi, Kiosh là. Après CSGO, moi j'ai jamais voulu non plus m'y mettre en fond dessus, ça m'intéresse pas. Il y a une période où tu voulais faire des entraînements. Hein. Ouais, mais bon, j'ai vite abandonné en vrai. C'était il y a 6 mois. Après j'ai abandonné, je suis parti sur d'autres jeux et voilà. Oh non, mais de coup encore Ah, mais t'as quand même été à calorier. À calorier. Et garder à deux. Ouais, bah, le compte à calorier, je rejoue de temps en temps dessus. Je suis en train de remonter là. Je suis au Innova 3 maintenant. Innova 3. Oui. Là, c'était quand vendredi, je crois. Vendredi, j'ai fait 3 games. Vendredi matin, j'ai fait 3 games, 3 victoires. Bah, c'est là que je suis au Innova 3 même. En faisant 3 victoires de rang. Hop, donc c'est invité, on est à 0-0. Et là, par contre, cet après-midi, j'ai joué 4 fois et j'ai fait 2 victoires, 2 défaites. Quoi, t'as même pas visé la tête, j'ai eu 2 coups, c'est impossible. En plus, j'ai réussi à faire 10 kills en jouant à 40 FPS. Merde. Je peux te dire qu'il y a certains joueurs en jouant à 40 FPS, ils font même pas 3 kills. Ouais, mais c'est du nouveau. En plus, ouais. C'est réactif. C'est vrai. Ah oui, j'ai juste besoin d'entraînement et je suis chaud. Parce et de skill aussi, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est marrant, même quand je tournais à 66 FPS, je sentais qu'il y avait un problème dans le jeu. Et c'est pas logique parce que mon écran est en 60 FPS, t'as raison.
Donc je ressens même en 66 FPS avec un écran de 60. Putain, j'ai quand t'as la limite, il suffit qu'il y ait un stuff qui est lancé à côté ou quoi, et c'est bon. Ouais. Mais même quand j'étais à un moment, j'étais monté à 110 FPS, je suis redescendu à 66 à cause d'une flash et j'ai ressenti. Et c'est pas normal parce qu'avec un écran à 60 FPS, normalement j'aurais pas le ressentir ça. Donc c'est très bizarre. Et l'HDMI ne fait pas du 144 Hz, donc. J'arrive pas à comprendre. Ah! Mais bon. C'est comme ça. Comme ta gueule, connard, avec un gros bouffon. Bon, pour l'instant, on fait toujours match nul. Ah, il m'a démuto, là, Castos, là. Pour l'instant, je fais toujours match nul contre Valenciennes, les gens. En Coupe de la Ligue. Oh, je perds pas au moins. Valenciennes, il va gagner, t'inquiète. C'est chez moi, ça. Ouais, bon, de toute façon, c'est inquiétant parce que quand je fais match nul avec mon équipe en Coupe de la Ligue, je vais au tir au but et j'élimine au tir au but en rentrant mon gardien principal. Et en plus, j'ai oublié de le faire jouer pendant deux matchs, donc d'être en pleine forme pour pouvoir faire les tirs au but. Mon gardien. Il faut d'avoir ça, c'est Prime. Ça c'est Electrode. Ouais. Qui pourra comprendre? Non, c'est qui comprendra pourra. Ou je peux lui être comme ça. Ouais. Super round, je t'aime très fort. Hein. Ok. Allez, on va... je vais sortir quelqu'un qui a une mauvaise note. Pierre Boubi, tu vas sortir. Comment? Pierre quoi? Pierre Boubi s'appelle. Le cœur, tu viens sur CS? J'ai en train d'étudier maths. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, faut c'est que je m'entraîne en un contre un alors. C'est chiant. Ça pourra prendre les additions, franchement. Ah, mais il est bouché, hein. Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est un bouché halal. Halal. C'est pas halal, tout ça. Montre-moi, c'est halal. Halal. Golba, tu veux? C'est halal. De toute façon, je reviendrai demain, donc. Il y en a qui sont bonnes du Discord, ils sont toujours pas revenus. Ouais, mais c'est par bonne dev qu'ils ont eu. Bah oui, y'en a qui ont été ban dev du Discord, ils sont toujours pas revenus. Eh mais Apple, c'est... bah il manque pas sont... Je sais pas, j'ai... certaines personnes, si on critique la Gaming TV, tu vas voir si tu vas revenir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui, c'est qui? Je suis contre un bot, j'ai mis deux chargeurs, j'ai pas le... Sir Joker, c'est sweep? De quoi? La photo. Mais non, mais... les affaires sont des affaires, c'est pas sweep, hein. Quoi? Mais c'est pas super, c'est bon, est-ce que je peux te montrer sur Allez. Super, est-ce que je peux te montrer sur la moto? Ma moto? Bah de toute façon, j'ai déjà envoyé de toute façon. Ouais, qu'est-ce envoyé. Que tu racontes? Nul. Ah, de faire exprès. Ah, je comprends. Allez, pas. Allez, au revoir là, fais pas chier. Je comprends pas. Toi, j'ai envoyé une photo de toi qui est dans la moto là. La moto? T'es dans la moto, comment tu fais? Enfin, sur la moto, pardon, putain. Ah mais... oui, c'est dans la moto, je sais pas comment il fait pour aller dans la moto. Dans le réservoir. Il y a une tête la qui moto dé... Il y a une tête oui, qui sort du réservoir. Qu'est-ce que tu racontes? Ah celle-là, ah, putain. Mais de toute façon, il y a ouais, on voit, alors quoi, je m'en bats les couilles. Voilà, je suis d'accord. Parce que, à mon avis, je peux me battre. On m'en les couilles. Je peux me battre. Allez, on va rentrer le jeune Amin Talal au milieu. Qu'est-ce qu'il est cool, hein. Franchement, qu'ils veulent, si jamais j'ai une fille. Avec des chaussons. Jamais en général, hein. Qu'est-ce qu'il est cool! Ah, alors il est maître gardien 2! C'est super! Ah, mais il a quand même un petit côté arabe, hein, on va pas se gâcher. enfin, ses joues là, hein. Tu sens que le mec il a bouffé du porc. Hein. Ah, directement le porc. C'est qui le mec là au-dessus de moi là? Joker? Quoi? C'est qui le mec au-dessus de moi avec la photo là? C'est. Mais c'est toi? C'est toi quand t'étais petit? Ta mère. Ouais. Non. Tu m'as tiré une balle dans les couilles. En mode Jazz Bond avec son C'est qui? Oh, la famille avant tout, Nick Skinner. Attends, le mec avec Emma, c'est sur ses sweeps, hein. Il a une sale gueule. Oh. Oh, mais enfin, le mec du million, on dirait Elix, donc c'est pas mieux. C'est le dinosaure qu'on traite tout le temps. Par contre, enfin, toi, mec, non mais... Il faut faire quelque chose à ta coupe, hein, parce que c'est pas possible. Tu veux passer un message, je sais. Non mais t'as aucun charisme avec cette coupe.
Mais mon but c'est pas d'avoir du charisme, c'est moi, c'est... moi je suis normal, je... Allez mon frère, tu sors. Il ressemble, attends je vais te faire voir la photo, tu vas pleurer. Et bah tant pis, mon gardien ne rentrera pas. J'ai envie de mettre une photo, mais j'ai pas trop envie là en plus. Non mais c'est toi, ça sweep. Hein. Tu auras cherché le récent. Attends, elle est où? Avec la famille avant tout, la famille. T'es vrai, Loris? Regarde, c'est ça, sa coupe de cheveux. Ah ouais, mais c'est ça en plus. Ah, what the... C'est qui ça? C'est qui ça, mec? Ah putain. Oh, what the fuck, la femme. Oh, vous êtes prêts, les gars? Vous êtes prêts? Vas-y, attends, moi je vais mettre Nexus. Ouais. C'est pas moi en plus. Hein. Mais si, c'est toi. Tu reconnais le couple. Vas-y, hop là, Nexu. Tac. C'est moi ça. Tac, mettre en là, partage. Créer un lien. Copier le lien. Mais ça date de longtemps ça, gros. Attendez. Alors, vous allez voir le petit hamster, les gars. Mais t'as quel âge? Mec, t'as quel âge à ce moment-là, gros? Je te jure, t'as quel âge? Je sais pas. Regardez, ça c'est super, il y a. Quoi, quel âge? Il y a 10 ans. Mec, il y a 10 ans, hein? Vraiment! Ah non, mais mec, t'as une gueule d'arabe, c'est pas possible. Écoutez, gars, il a 20 ans. Alors, regardez, par rapport à moi, il a du charisme, hein? Mais regardez, je pense qu'il a. Il avait 11 ans, gros. Il a déjà quoi là, quand même? Non, regardez. Il a 11 ans, je pense qu'il a plus de charisme que moi quand j'ai même chez moi. Regardez. Oh mais toi, what the fuck. Il a plus de charisme que moi. Par contre, la casquette, non. Mais gros, c'est tu sais, c'était à la mode ça, c'était à la mode ça avant. C'est tectonique, c'est ça. Ouais. Elle est moche, moi j'aime pas. Je trouve que c'est trop superficiel ça. Ouais, elle est superficielle et puis de toute façon c'est mineur, donc moi après moi je vais en prison. C'est pas mineur, elle a 20 ans. Oh, bonsoir. Qui est la partie verte? Tu veux autre chose? Oh, mais encore plus petit, vas-y, encore plus petit la prochaine fois. Merci, hein, c'est waouh. Est-ce que vous êtes original les petits? Attendez. Et attendez, je vais vous envoyer un clip que j'ai pété un mec en tournoi. Non, mais on s'en fout. Ok, merci. Moi je l'ai vu, moi. Sympa. Okay, merci. Oh. Vas-y, attends, moi je vais mettre la tête de Kadekra. Salut à tous, c'est Alan Akos. Lucas. Alan Akos, mais quand même, on va dire. C'est le son de l'artère, hein, la David. C'est même pas l'artère, là. C'est la jambe. Ah, genre, ouais, putain, je l'ai encore. Oh là là, c'est trop bien. Mais surtout, il est bien cadré. Hein. Moi, j'aime bien ce cadrage. Allez voir ça, c'était en tournoi Fortnite. D'accord, ben je t'as sur play, t'as plus juste sur play, hein. tu as reçu. C'est trop marrant. C'était un mec semi-pro en face en plus. Oui, enfin, tout le monde. Oh, t'es mort et enterré, t'es mort et enterré. Hein. Tout le monde se dit semi-pro, mais. Tu es d'accord. Tu dis semi-pro, oui. Non, c'était Kaizen. Va voir, tu mets Kaizen sur Fortnite, tu vois. Ah, Kaizen, ça me dit quelque chose, Kaizen. Être semi-pro sur Fortnite, ouais. Shark Sweep, salut, moi c'est Shark Sweep. Moi je suis un requin sweep en fait. Ah, c'était mon équipe. Il joue chez G2G maintenant. Kaizen? Ouais, 1907 followers. Il est en train de stream là, il est en train de stream. I Kaizen. Donne-le moi pour voir. Je reconnais ça. On dirait un arabe. Et en plus, il y a un tournoi là, il joue à Atlantis Scream. Attends, je vois ça. Bah, attends, je vois ça là, au pire. Mais bah, si, c'est lui. Allah, wapa, ça c'est. Ouh là, il est bien noir lui. Hein. Mais c'est. Bon bah. On est en France, hein. Excusez-moi. On a passé le premier tour face à je sais plus qui là. Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait? Et là, Valenciennes en troisième tour. T'es en train de perdre contre Valenciennes. Je perds 15 euros en plus.
Contre une équipe qui a tiré que beaucoup moins de fois que moi, mais bon. C'est comme ça. Ah, ils ont des buts précis. C'est possible, ça. C'est même sûr s'ils ont marqué un but. Bah, tu sais lui ou pas? Ouais, ils ont 3 tirs cadrés. Ils ont que 3 tirs cadrés vers l'ancienne. Moi, j'en ai 5. 3. Donc voilà. Et bon, c'est là, ce tournoi, là, ils sont à l'Atlantis. Bah ouais, on est éliminé, donc on compte le Havre au prochain match, donc on le fera pas aujourd'hui. Je te sens déçu, Kev. L'équipe était considérée comme une outsider, bon c'est pas grave. Kev, ça te dirait de sortir avec moi ou pas? Non. Oh, oh, le joueur français qui dit... T'es comme ça. Kev? Quoi? Je t'aime. Non. Est-ce que tu... Je suis pédé. Après, c'est le problème, c'est les finances. C'est... En fait, l'objectif de la Coupe de Ligue, c'était pas de... C'est pas d'être éliminé contre Valenciennes. C'est pas d'être éliminé contre Valenciennes, c'est surtout pour les finances que je veux ça, Octopus. C'est chiant. Ta voix douce qui rentre dans mon corps. Même un stylo. Donc voilà. Non, mais... Ah, c'est surtout que j'ai plusieurs d'argent dans mon club. Je suis à moi 1 million. Mais pour t'enculer. Mais pour t'enculer, Taras. Mais pourquoi vous m'avez fait ça? Ah, celui qui m'a su. Hein? Clev. Faut que tu les calendriers là. Ah ouais, mais quand t'as des difficultés financières dans le club, tu commences dès le début de la saison, t'as des problèmes d'argent. Voilà. Clev. Quoi? Je pense que j'ai envie de voir des rapports sexuels avec toi. Non. S'il te plaît. Ouais, parce que Clev il bande là. J'en manque là. Pas du tout. Non, pas de tout. Oh putain. Je leur manque pas du tout, d'accord. J'ai pas vu ça. Mortis. Oh non. Bon, allez, on va arrêter de la blague, nous les gens, déjà. Oh non, j'ai pas vu ça. Attends, chez moi, Octopus, je peux pas rentrer là. Oh non, je l'ai pas vu. Attends, chez moi, Octopus, j'envoie celui aussi. Oh non, j'avais pas vu. J'enregistre aussi. Ah, tu connais pas ça? Mais j'ai pas vu. Donc allez, on va tirer de la blague, j'en déjà. Donc voilà. Il y en a eu plein. Mais non, je l'ai pas vu, je te jure, je l'ai pas donc, vu. Donc moi, je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine pour un nouveau live. Allez, à plus au monde. Allez, à plus tout le monde. Non, pas plus. À